Au-delà du regard. La création. Chapitre 3. L'action vraie. Si tu vois vraiment ton état, accaparé à fuir frénétiquement tes peurs, à te retrancher dans ton univers, tu pourras alors t'apercevoir que cet état anxiogène peut t'apprendre bien des choses sur ta vraie nature. Si tu ne la fuis pas et t'arrêtes pour l'observer. L'emprisonnement de l'esprit crée de la dualité en soi, puisque ce n'est pas ton état naturel et authentique. Tu n'es pas supposé être confiné, confus et isolé à un petit grain de sable dans tout l'univers. Tu ne peux pas renier ta vraie nature. Elle ne peut se séparer du tout. Tu es non isolable, non divisible, un seul ensemble, sans début ni fin. La croyance de pouvoir se dissocier des autres est un concept de la pensée qui arrange bien l'ego. Cet individualisme doit être banni de la conscience, afin qu'elle puisse reprendre de son envergure et que l'ordre puisse régner en soi. Mais les faits ne sont pas ainsi, car depuis des millions d'années, on a rempli la conscience de toutes sortes d'illusions pour parvenir à être ce que l'on n'est pas. Les éléments qui font exister le désordre se sont engrangés dans la mémoire, si bien que c'est de cet emplacement que surgissent les pensées qui dictent l'action qui convient à l'événement, et ce mouvement se répète inlassablement. C'est une activité qui ne dépasse pas les limites de ce qui a déjà été établi sur les sentiers battus. Avec l'expansion de nos sociétés modernes, nous sommes arrivés à un tournant de l'histoire de la collectivité humaine où la conscience est en crise, car l'activité ne broie plus que du noir et s'enlise dans la souffrance. Pour beaucoup, nous voyons le danger d'une telle escalade où la beauté se meurt. Mais l'action de la pensée reste largement triomphante dans les vies de chacun. Nous voulons que cesse le chaos, mais paradoxalement, nous le cultivons à travers nos réactions systématiques, qui sont suscitées par les pensées que nous côtoyons tous les jours. Quand tu vois les souffrances et que te dictent les pensées dans ta tête, « Je voudrais faire une action contre la misère », alors la pensée va créer son institution sous l'égide de la Croix-Rouge ou autre quelconque outil de la pensée. Mais cette action ne changera pas pour autant la misère que tu ne veux pas voir. On combat la pensée qui fabrique la misère par d'autres pensées qui, elles, fabriquent la solution à résoudre. Cependant, le penseur reste perpétuellement actif dans ses pensées qui constamment sont dans l'activité de trouver une solution. Les pensées se fragmentent pour argumenter entre le bon et le mauvais. Mais en définitive, elles sont de nature destructrice, car elles créent la dégénérescence de l'esprit qui est constamment accaparé par leur brouhaha, un danger pour la beauté. Alors que chacun de nous fabrique fébrilement l'état de ce monde, en lui apportant à travers l'activité de ses propres pensées désireuses de l'eau à son moulin, l'esprit n'est jamais au repos, toujours embarqué par ce que la pensée propose, occupé à son service, mais jamais libre dans son état naturel pour être authentique. Ainsi, pour un esprit soucieux de l'harmonie, il n'est pas question d'aller collaborer avec l'activité de la pensée. Ni est-il question de trouver la possibilité
de comment mettre de l'ordre au chaos ou pas. L'idée est de voir en soi le dérèglement qui le fait naître. Observer tout le mouvement du moi en lequel se meut toutes les stratégies de l'ambition et du désir. Pour cela, l'esprit doit être libre de toute occupation, car il n'opère que dans le silence où le brouhaha de la pensée n'est plus. L'humanité, qui est en chacun d'entre nous, doit réaliser l'activité de ce confinement au monde de la pensée qui a créé la crise dans la conscience. Car il semble que nous n'avons pas d'autre choix que de nous défaire de ce qui crée la division afin de nous unir pour être en sécurité et exister dans la sérénité tout en partageant les bienfaits de cette magnifique planète. Tout l'univers tend à cette expansion de la conscience pure. Nous sommes notre propre espoir pour exprimer la beauté qu'il y a en dehors de nos petits univers renfermés sur nous-mêmes. Nous devons nous libérer de l'illusion des promesses que l'on trouve dans les logiques de ce que prônent les courants de pensée qui s'activent à susciter les rêves de demain. Car qu'a-t-on fait pour avoir été accaparé par l'intérêt de ce que l'illusion donne ? N'a-t-on pas eu des actions attisées par la peur de ne pas atteindre notre bien-être ? N'avons-nous pas divisé les rangs sociaux par notre sens de réussir pour mieux régner sur nos privilèges ? Par conséquent, se libérer de l'idéal est capital, car nous devons nous retrouver devant une réalité qui certes nous effraie, mais où on s'aperçoit de l'action juste qu'il y a à prendre. Celle où il nous faut abandonner nos privilèges pour pouvoir être libres de l'illusion qui se miroite et qui nous empêche d'être dans l'action de créer notre vraie sécurité, qui devient un fait quand l'esprit ne côtoie plus la peur de manquer. Au lieu de cela, ne sommes-nous pas acharnés à nous isoler derrière nos murs de confort, à nous protéger des assauts qui détruisent la sécurité que nous croyons avoir ? Cela crée en nous méfiance et division, qui à nouveau provoque la névrose des habituels quotidiens de la course à l'isolement. Nos modes de vie sont basés sur l'apparence, qui prône une image qui excelle l'autre, créant des relations où tous se critiquent, se comparent, et inévitablement créent des entités séparées les unes des autres, tant bien même que l'on se partage le même toit. La séparation et la division étant une illusion de la pensée, il n'y a cependant nulle part où aller, sinon à la conscience elle-même. C'est la prise de conscience de la condition dans laquelle nous nous sommes confinés et isolés à nos murs de conclusion qui provoquera l'appétit d'une liberté. Car, de toute évidence, nous sommes destinés à nous unir. La croyance de l'illusion qu'il y a quelque chose à quoi s'accrocher pour remettre à plus tard le lâcher-prise de nos modes de vie est ce que la pensée manigance. Rien d'autre qu'un mirage, un leurre qui accapare. Et celui-ci emprisonne l'esprit à la médiocrité des actes vils qui attisent la séparation où chacun voit midi à sa porte et où l'ego est maître. C'est donc à toi de choisir. Si tu es ce que tu devrais être, ou être ce que tu es.